Alors, si c'est un enfant, vous lui donnez l'accessoire indispensable ou un livre. Vous faites attention que de temps en temps, il relève le menton pour être sûr qu'on soit droit quand même dans sa ligne. Nous, Marlon, on va lui laisser pousser la mèche parce que il a envie d'avoir la même coupe que son frère. On va couper que les côtés et là, là, parce que là, c'est beaucoup trop long. Voilà. Alors, je mets le sabot de 3 mm sur ma tondeuse. Et moi, j'ai un cran, donc je le pousse à fond. Ceux qui n'ont pas de cran, vous mettez directement le sabot de 6 pour dégrossir. Numéro 2. Moi, j'ai mis 4,5 d'ailleurs, je me suis trompée. Numéro 2. Ok. Là, vous allez monter en relevant. Vous voyez le geste avec le poignet? On relève légèrement pour sortir les dents des cheveux. On plie bien l'oreille. Et là, vraiment, on relève. C'est juste pour dégrossir. On fait tout le tour de la tête. Vas-y, mets pause. Donc pour derrière, pareil, hein, mais vous ne remontez pas jusque l'épi. Hein. Vous remontez à peu près jusque l'os occipital là. Voyez? Surtout, toute cette zone-là, vous la laissez longue. Vas-y, mets pause. Voilà, donc quand c'est des enfants, ils râlent, ils n'aiment pas avoir des cheveux partout. Sèche-cheveux. Dans ce sens-là, surtout. Faites le tour. Une fois qu'on a fait le tour à 6, on met le sabot de 3. Avec le sabot de 3, on va faire uniquement cette zone-là, proche de l'oreille. On fait relever un petit peu le menton. Non, ça fait pas mal, mon chéri, regarde. Pas mal du tout. Et pareil, toujours, vous appuyez un petit peu et vous relevez vers le plafond. Vous n'allez pas en continu le long du crâne. Hein. Vous relevez. Vraiment. Voilà. Ça fait une barre, c'est normal. Hein. Après, pour gommer cette barre, vous allez venir toujours avec votre sabot de 3, faire des tout petits à-coups au niveau de la barre là. Tout petit, tout petit, tout petit. Toujours en pensant à bien relever vers le plafond. Et pour celles qui ont de la chance, qui ont le sabot qui peut se relever avec la molette, c'est encore mieux. Vous faites un petit coup pour bien fondre votre contour. Donc là déjà, on est pas mal. Ensuite, on passe à derrière. C'est pareil, c'est que le bas de nuque. Alors il y en a qui ont le bas de nuque très enfoncé là. C'est difficile de passer avec la tondeuse ou bien des fois il y a une spirale. Il faut bien faire pencher la tête. Plus la tête sera penchée en avant, plus vous aurez accès sans appuyer à cet endroit-là. Donc là, c'est pareil, on va faire vraiment net. On essaie de suivre la première ligne, là. En fait, c'est une histoire de lignes et de zones. Donc pour celles qui n'ont pas la molette, on va venir fondre un peu la ligne en faisant des petits à-coups. Tout petit, toujours en remontant bien vers le plafond. Surtout, ne rentrez pas profond le long du crâne, hein, faut que ce soit très très léger. Et celles qui ont de la chance, vous mettez votre molette à fond et vous pouvez juste gommer un petit peu. Toujours, on fait vraiment des mouvements comme ça vers le haut et on cible là où on veut couper. On peut lui passer un petit coup de séchoir. Et tant qu'il est sage et qu'il a la tête en bas, vous retirez le sabot et vous venez juste là tout doucement lui faire ses petits cheveux-là. Vous ne remontez pas trop haut, on ne veut pas lui faire une ligne bien dessinée. Hein. Si c'est un homme et que vous voulez faire bien dessiner, vous suivez vraiment quand même l'implantation et vous allez venir vraiment au bord, au bord, au bord. De chaque côté. Voilà, je mets pause. Donc là, on a ici qui est propre et on a toute cette zone-là qui est très très longue. Alors, il faut faire attention de ne pas remonter trop haut.
Donc vous regardez par rapport au sourcil, vous prenez le milieu du sourcil et vous faites une ligne imaginaire. C'est pas vraiment le milieu du sourcil, hein, mais bon. Pour l'instant, on va pas s'occuper de cette zone-là. On va faire vraiment encore l'intermédiaire. Donc là, on va prendre le sabot numéro 3, c'est-à-dire 9 mm. Si vous n'avez pas 9, vous pouvez faire 10 ou 12, ça dépend des tondeuses. C'est pareil, on passe ici en remontant vers le haut. Toujours on remonte vers le haut. Hein. C'est pour vraiment éviter de faire des catastrophes. Hein. Le mouvement, il est bien comme ça, hein. Comme si le crâne était creux. Donc du coup, on ne touche pas trop cette zone, vraiment à peine. Donc ce qu'on peut voir, c'est que là, on crée une nouvelle ligne. Donc à ce moment-là, on reprend notre sabot de tout à l'heure, celui de 6. Donc celles qui n'ont pas de molette, elles viennent fondre entre le 6 et leur zone qu'elles viennent de faire ici. Des petits mouvements, tout petit, tout petit, tout petit. Si vous n'arrivez pas à faire aussi rapide, vous faites des petits comme ça, des petits gestes comme ça, tout doucement. Mais le mieux, c'est de vous caler, vous voyez, vous glissez le long du crâne, ça leur fait pas mal. Et celles qui ont la molette, bah, vous descendez et vous pouvez fondre un petit peu plus. Mais bon, il n'y a pas grand-chose à faire. Hein. Ok. Maintenant, on va regarder pour derrière. On remet le sabot de 10, 9 ou 12. Et du coup, derrière, on va remonter un peu plus haut. Faites toujours attention, regardez les pieds, les hauts. Hein. J'y suis pas encore du tout. Hein. Ah, ça le gratte. Pour éviter tout énervement, on anticipe, on enlève. Après, bien entendu, il y en a qui ont envie d'avoir vraiment très très court et de monter jusqu'en haut direct. À ce moment-là, vous pouvez vous adapter en fonction de la coupe que vous voulez. On remet le sabot de 6. Et là, pareil, on fait des petits gestes pour voir. En fait, quand on n'entend pas le bruit, c'est que c'est bon. Dès que vous entendez un petit bruit, c'est qu'il y avait des petites démarcations. Okay. On va passer tout de suite à l'épi, à cette zone-là. Donc moi, rappelez-vous qu'au-dessus, il a une certaine longueur. C'est pour ça que l'épi, là, je ne vais pas lui faire à 10 mm. Hein, parce que ça ferait vraiment bizarre de profil très très court et d'un coup une longueur. Donc moi, je vais lui faire le sabot de 13. Pareil, toujours je remonte vers le haut. Alors, les épis, ils ont la particularité de pousser souvent comme ça, en rond. Donc si on coupe droit, on n'a pas bien l'épi. Donc on fait un peu relever la tête à l'enfant. Vous voyez, moi, il pousse n'importe comment là. Ça, il faut le prendre du coup de côté. Si vous le prenez droit, il partira pas. Alors vous avez peut-être l'impression en vidéo ici que c'est bizarre, mais c'est parce qu'il a des zones blondes encore. Il est plus clair à certains endroits. Et pareil là, ça pousse de ce côté, on le prend bien dans le creux. Après pour les enfants qui ont ici, moi il a les cheveux souples, ça se place bien. Il y en a qui ont ici les cheveux qui restent très très raides. Vous n'hésitez pas à venir ou par-dessus ou par côté, prendre aussi, hein, je vous montre comme ça. Vous pouvez les prendre ceux-là, doucement, sans trop appuyer, pour les raccourcir. Ok, stop. Voilà, donc là on est déjà pas mal, maintenant on va prendre ce qu'il y a là. Sabot de 13. On le recule ou pas, ça dépend si vous avez la molette. Et pour être sûr, si vous avez la molette, si vous avez peur, vous la reculez. Sinon, vous la laissez comme ça. Et là, on vient se mettre vraiment dans ce sens. Attention, toujours et par rapport au sourcil. Hein. Ne remontez pas tout en haut là. Et on vient vraiment dans ce sens-là, couper que ce qui dépasse sur le côté. On peut même rattraper les pieds là, si on voit du coup, on en a oublié. Moi, j'en avais oublié d'ailleurs. Et du coup, pour l'autre côté,
Donc là, ses cheveux reposent comme ça. Donc ce côté-là, c'est là que ça coince un peu. Pareil, on isole la mèche. Celle-là, on ne va pas la couper. On se met bien comme ça. Et ça va vraiment couper que ce qui gêne. Et ensuite, des grands gestes. Voilà. Voilà, donc là, on est vraiment bien. C'est bien rafraîchi. Garde sa mèche. Après, celles qui veulent couper tout le dessus, là, vraiment pour être tranquille, elles prennent leur plus gros sabot. Vraiment le plus gros. Donc, moi le plus gros, par exemple, c'est 25. Et... on y va. Hein. Ou alors, par sécurité, vous mettez un peigne. Mes poses. Par sécurité, vous pouvez mettre un peigne et couper au-dessus du peigne pour être sûr au début que ce ne soit pas trop court. Vous faites comme ça toute la tête, vraiment. Vous... toujours sur cheveux secs, ça sera plus facile avec la tondeuse. Hein. Prenez bien, bien, bien. Vous coupez, vous coupez, vous coupez. Et après, vous voyez, si vous voulez faire plus court, vous pouvez. Au moins, vous avez une sécurité. Alors après, avant de terminer, d'aller leur rincer la tête, parce que c'est une fois la tête bien lavée, bien séchée, qu'on verra la coupe, on fait juste les contours. Donc là, on le prévient. Marlon, je vais faire le tour de ton oreille, d'accord? Tu bouges pas, sinon ça te coupe. Tu lèves. On plie l'oreille. Et avec le petit bout, là, on vient juste chercher les tout petits cheveux, là. C'est pas obligé, hein, parce que déjà, avec le sabot de 3, on a bien enlevé, hein. On peut même faire un petit peu comme ça, tout doucement, sans trop appuyer. Voilà. C'est bon. Top.